the great beauty, Italy. And the Golden Globe goes to La Grande Bellezza, the great beauty! C'est une grande satisfaction de recevoir ce prix qui illustre une reconnaissance qui va au-delà de l'Europe, qui traverse l'océan. C'est une reconnaissance importante, car elle émane des critiques spécialisées américaines. Sì, Enrico è un politico. Oui, Enrico est un homme politique en pleine dépression. Cette dépression correspond à une image que Roberto Rondo, l'auteur du livre qui a inspiré ce film, donne des hommes politiques. Celle d'hommes qui choisissent de faire ce métier pour s'éloigner de la vie. Or, cet éloignement crée un blocage chez lui. Dans sa vie d'homme politique, dans la relation avec ses électeurs. Son frère, en revanche, qui est un intellectuel extraverti et génial, n'a pas ces problèmes relationnels. Il croit que la vie est faite d'accrochages, de difficultés, et cette attitude le rapproche des gens. Donc, quand il prend la place de son frère, il fait bondir les sondages du parti auquel il appartient. Et il restitue à la politique un langage neuf, un nouvel enthousiasme. Et restituisce alla politica delle parole nuove, un nuovo entusiasmo. Je m'intéresse à la politique comme un citoyen normal, mais je suis avant tout un acteur. Quand s'offre à moi la possibilité de dire quelque chose en tant qu'acteur sur la politique, je le fais volontiers. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit mon comportement politique. Rondo, en tant que réalisateur, et moi, en tant que comédien, avons voulu dire quelque chose sur la politique, mais dans le cadre de notre métier, sans chercher à faire de la politique. Il nostro mestiere, non volendoci sostituire naturalmente alla politica. Joue jusqu'à dimanche à Paris. Et mardi, je suis déjà au théâtre en Italie. Je suis vraiment un homme de théâtre, hein, à l'ancienne.